웹 매거진 KP뉴맨의 편집회의 현장. 한국 관광 특자를 제작하기 위해 에디터들이 한자리에 모였습니다. 이 매거진의 창립자는 우고나 아니에케 씨. 8년 전 한국 드라마에 푹 빠진 뒤 한류 소식을 전담하는 웹사이트를 만들었습니다. Soit la référence, et c'est comme ça qu'on est devenu la référence, en tout cas en tant que magazine en ligne, sur la Corée, parce que nos articles sont très bien positionnés et qui permettent de faire. Donc c'est beaucoup de travail, mais on peut discuter de divers aspects de la Corée ensemble. Et voilà. 프랑스어로 한류를 뜻하는 K-pop은 K-pop과 한식, 한국어 등 우리 문화의 최신 흐름을 읽을 수 있는 온라인 전용 매거진입니다. 소속 에디터는 우고나 씨를 포함해 6명. 규모는 작지만 매달 6만여 명이 매거진을 보고 있는데요. 배우 이재훈 씨와 K-POP 아이돌 빅스 등 한류 스타 역시 프랑스에 오면 K-페노맨을 찾는다는데요. Des stars de K-POP parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir les interviewer. Donc quand j'ai eu l'opportunité, je me dis ah ouais, c'est-à-dire que vraiment K-Fenomen, ça marche, ils ont confiance en moi, donc je peux faire ce type d'interview. Donc c'était avec le groupe VIX, on les avait rencontrés en fait, parce qu'ils avaient fait un concert à... K-Fenomen이 주최하는 한식과 K-뷰티 체험 행사는 인기 만점. 한국 여행 꿀팁을 유튜브 콘텐츠로 제작하기도 합니다. 현지인의 눈높이에 맞춰 한국 문화를 소개하는 것. 그렇게 프랑스 사회에 한국의 문화를 알리는 것이 K-페노맨의 바람입니다. Je fais de la veille, et je décris en fait au public français qu'est-ce qui se passe au niveau de la mode en Corée, mais aussi de la mode à Corée en France. Je pense qu'au niveau de la K-beauty, c'est assez intéressant comme c'est un courant qui est arrivé il y a quelques années et qui s'est maintenant bien installé. Sur K-Fenomen en tout cas. Donc c'est vraiment, c'est une passion et c'est un travail. Et je pense qu'allier passion et travail dans la vie, eh ben, il n'y a rien de mieux pour rendre happy les gens. Voilà. Donc je suis très très contente de travailler sur K-Fenomen et je suis très, enfin, j'aimerais encore que ça continue pendant très 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 longtemps encore. 프랑스 대표 K-Culture 매거진으로 성장한 K-Fenomen. 당신의 열정을 응원합니다.